Oui, je suis actuellement dans le secteur de Montauban, au Gosier, sur le parking d'un grand magasin où a eu lieu ce mercredi matin un événement assez dramatique, puisqu'un jeune homme a été agressé par une bande de plusieurs individus qui souhaitaient lui voler sa chaîne en or qu'il avait autour du cou. Alors nous ne savons pas encore si la victime a tenté de se défendre, mais ses agresseurs n'ont en tout cas pas hésité à lui donner des coups de feu dans l'abdomen. L'homme a été immédiatement transféré dans la clinique des Eaux Claires, dans un état assez grave, puisque ses jours étaient en danger. Nous avons appris par nos confrères de RCI que son état s'était nettement amélioré. Il n'est aujourd'hui plus en danger. Une enquête a été confiée à la police judiciaire, mais malheureusement, il y avait extrêmement peu de témoins dans la mesure où l'agression a eu lieu très tôt le matin. Les enquêteurs comptent tout de même sur les vidéosurveillances qui sont présentes dans le secteur pour rattraper les malfrats, mais en tout cas, une enquête est ouverte et nous allons apprendre dans les jours qui viennent si ils ont pu trouver une piste de ces agresseurs qui ont en tout cas pris la fuite dans un véhicule juste après l'agression. Vous regardez ETV.